Bonjour, vous m'entendez bien? Donc je suis Sandrine Mouchet, je vais vous dire d'où je parle. Je suis journaliste. Depuis septembre 2021, j'ai repris la rédaction de Rose Magazine, qui est une émanation de l'association Rose Up, j'y reviendrai. Et je suis aussi rédactrice en chef donc, de ce magazine dont vous avez vu quelques couvertures ce matin et dont je vous présente celle qui est sortie au mois d'avril où on est un petit peu moins sur les cover girls très affinées. Voilà. J'étais invitée par Marc Guillot qui avait vu un papier qu'on avait fait paraître sur ce fameux chiffre des 40% de cancers évitables qui nous a fait un petit peu sursauter à la rédaction et sur lequel on a publié un papier pour interroger le mot « évitable » et surtout le poids qu'on fait peser aux patients de cancer avec cette histoire des 40%. Donc Marc Guillot m'avait contacté à ce moment-là et ça m'a rappelé qu'on avait fait plein d'autres papiers. Là, on a parlé de la discrimination par rapport à ses origines. Nous, on a fait un papier récemment sur l'agisme. On en a fait un autre sur l'accès des handicapés, et notamment des handicaps invisibles, ceux qu'on ne voit pas, qui ne sont pas forcément en fauteuil ou autres, et qui ont aussi du mal à rentrer, enfin, à avoir accès à certains soins. Donc voilà, donc, je pense que c'est pour ça qu'on a été invités aujourd'hui. Donc, je vais vous présenter le magazine, parce que finalement, c'est un peu le fer de lance de ce qu'on fait dans l'association. Je vous parle aussi en tant qu'ex-patiente, puisque l'association Rose Up est une association de patientes. Voilà. Donc qu'est-ce que c'est que Rose Magazine? C'est un magazine féminin, haut de gamme, je vous expliquerai ce que c'est que haut de gamme pour nous, et de société, qui traite de tous les cancers, contrairement à ce que son nom peut peut-être laisser supposer. On ne s'adresse pas que aux femmes qui ont un cancer du sein ou gynécologique, on s'adresse à toutes les femmes qui ont un cancer. Voilà. Il a été pensé et créé par une journaliste de l'Express qui s'appelle Céline Mistraoux et qui, au moment où elle-même était en traitement de cancer, s'est dit, on était en 2008 à l'époque, où est-ce que je peux trouver des informations sur ce que je suis en train de vivre? Elle n'arrivait pas, toute journaliste qu'elle était, à obtenir elle-même des informations sur... 1. Qu'est-ce que c'était que ce cancer? 2. Qu'est-ce que c'était que tous ces traitements? 3. Qu'est-ce qu'elle pouvait faire, elle aussi, pour s'aider, en fait? Du coup, est venue cette idée, peut-être, de créer un magazine qui puisse être accessible à tout le monde. Donc, c'est pour ça qu'on est offert, qu'on est distribué gratuitement dans les centres anti-cancer, dans les hôpitaux, les services oncologiques, pour pouvoir, justement, apporter cette information-là. Le diagnostic à l'époque où, qu'elle avait posé, à l'époque où elle a créé le magazine, et qui est toujours d'actualité à mon sens, c'est qu'à partir du moment où on vous dit que vous avez un cancer, ça vous exclut. Ça vous exclut de la société, ça vous exclut souvent de votre travail, et ça vous exclut même de votre corps. Donc le premier numéro qui est sorti en octobre 2011 a suscité son premier édito, et je voulais simplement vous faire part de ce qu'elle écrivait à l'époque. Le cancer n'est pas qu'une affaire de mort, c'est aussi une histoire qu'on aimerait savoir lire, comprendre, accompagner. Mais tout nous manque, l'abécédaire, le dictionnaire. Une histoire où nous devons pied à pied défendre notre place de vivante, défendre le corps contre les métastases, notre féminité contre les coups de boutoir des traitements, défendre nos couples minés par la peur. Nous battre pour être reconnues comme compétentes, pour pouvoir emprunter, pouvoir se dire guérie quand la société nous définit à vie comme femme à risque. Comme femme à risque. Voilà. Donc, c'était la fin de la citation. Pardon. Le parti pris était donc de deux ordres. D'abord, sortir du tabou.
c'est-à-dire essayer de, voilà, de mettre à distance d'abord cette mort qui vous entoure tout de suite quand on vous diagnostique. Voilà, c'est pas toujours le cas, heureusement, j'en suis la preuve aussi. Et puis en parler comme de n'importe quel sujet de société, parce que pour elle, comme pour nous à la rédaction aujourd'hui, c'est un vrai sujet de société, le cancer. Donc créé par des patientes et pour des patientes, il a été en première ligne sur de nombreuses thématiques, l'éducation thérapeutique, accessible à toutes, en portant la parole des médecins, des chercheurs, pour décrypter les origines de la maladie, les avancées thérapeutiques, pour aider les lectrices et parfois aussi les lecteurs, parce qu'aujourd'hui on est même contacté par des hommes qui sont atteints de cancer et qui cherchent aussi des informations pour eux, à comprendre l'histoire, à comprendre les traitements, à connaître cet ennemi et à rester surtout actrice de leur parcours. Il est beaucoup question de empowerment dans notre association et dans le magazine. C'est aussi le premier magazine qui a fait, avant la mode, du journalisme de solutions, en essayant d'apporter des réponses aux questions des femmes sur des effets secondaires des traitements, qu'ils soient physiques, psychiques, économiques, professionnels, et en les orientant. Moi, je fais mon boulot de journaliste, il y a des associations qui font des choses en particulier, notamment sur l'aspect économique, insertion professionnelle. Ben, on les oriente vers ces associations-là. S'il y en a qui développent des soins de support gratuits, ou presque gratuits, on les oriente aussi là-dessus. Ils se fondent sur le partage d'expériences des femmes. On n'en a pas beaucoup parlé, mais je voulais juste dire un truc par rapport à cette maladie, c'est que même si on est entouré, même si on a une équipe médicale, même si on a une famille, on vit quand même la maladie toute seule. Ce qu'on ressent, on est seul à le ressentir. Donc ça, c'est compliqué. Et quand elles viennent dans une association, quand elles lisent le magazine, quelque part, cette brèche qui a été créée dans leur solitude, elle est légèrement comblée parce que quelque chose, quelque part, il y a des gens qui vous comprennent sans trop parler, sans avoir à expliquer, sans avoir à s'étaler. Et pour elles, c'est important. Donc, je pense que voilà, toutes les associations connaissent ça et on vient combler ce petit truc qui est quand même très très important. Donc ils se fondent sur le partage d'expériences des femmes, entre elles et les soignants, parce qu'on sollicite beaucoup les soignants, quels qu'ils soient, entre les femmes et les aidants potentiels, que ce soit conjoints, conjointes, amis, collègues, enfin voilà. Et il est une courroie de transmission entre les femmes et les associations, j'en parlais, mais aussi les structures institutionnelles qui sont susceptibles de les aider. D'emblée, le magazine a milité pour rendre aux femmes tous leurs droits, le droit de travailler ou pas, le droit aux meilleures stratégies thérapeutiques pour elles, le droit au second avis, le droit d'avoir une vie sexuelle et intime, malgré tout, le droit d'être entendue et comprise, le droit tout simplement de parler, sans peur, sans honte et sans culpabilité. Le droit de se projeter dans la vie, dans l'avenir, en portant des projets, en ayant la possibilité de pouvoir les réaliser, le droit d'être aidée financièrement quand la maladie vous précarise. Ces droits, il faut les faire connaître, parce qu'ils sont encore très méconnus. Et savoir, c'est pouvoir s'aider, c'est pouvoir traverser la maladie le mieux possible. Aujourd'hui, Rose Magazine, c'est quoi? C'est 2 numéros par an, en octobre et en avril, 180 000 exemplaires tirés à chaque fois, et distribués dans plus de 1600 points, principalement des services d'oncologie, des hôpitaux publics et privés, des centres de lutte contre le cancer, de certaines cliniques privées aussi, et au domicile de nos adhérents de l'association. Ce magazine est offert, c'est important, c'est militant, pour qu'il soit effectivement accessible à tout le monde, et ça, on y tient. L'information labellisée Rose Magazine, c'est aussi un fil d'actualité sur notre site internet, roseup.fr, et pour autant que je sache, c'est aujourd'hui le seul et unique média print ou numérique de société féminin qui traite de façon claire, accessible et grand public, on espère le plus fiable possible et sans tabou, des pathologies cancéreuses. Et de la vie, pendant et après les traitements, ou de la vie avec le cancer pour celles qui sont en cancer métastatique. Roseup, c'est donc l'association qui a découlé de la création de Rose Magazine. Et juste un petit mot sur Roseup. En dehors de cette mission d'information, elle en a deux autres, qui est d'accompagner les femmes
en traitement de cancer et jusqu'à un an après les traitements dans des maisons physiques à Paris et à Bordeaux, mais désormais sur une plateforme numérique où elles ont accès à ce qui est possible de mettre en numérique via des webinaires, des sessions en visio, etc. Mais c'est aussi, on vient d'en parler, de faire du plaidoyer, c'est-à-dire de défendre le droit des patients et patientes devant les pouvoirs publics. On a été très militants et très en pointe sur la question de l'accès à l'emprunt à 5 ans, qu'on a obtenu en février 2022. Mais on est aussi en pointe sur d'autres sujets. On a été aux côtés des triplettes pour l'accès au trop d'élevis. Aujourd'hui, on milite beaucoup pour les histoires de reste à charge, qui sont quand même très discriminants. Je pense que vous avez peut-être en parlé, si vous avez parlé de la reconstruction mammaire hier, peut-être que la question du reste à charge a été abordée. Et puis aussi, évidemment, continuer à faire en sorte que l'accès aux traitements médicaux soit égal pour tout le monde. Voilà. Donc il y a 12 ans, Rose Up est née de toutes ces convictions. On s'est appelé Rose, enfin, elles se sont appelées Rose, d'abord pour le clin d'œil au féminin et à la féminité, mais parce que aussi dans Rose à Rose. Et c'est la baseline de l'association. Face au cancer, osons la vie, parce que cancer ne signifie pas mort, c'est aussi la vie de tous les jours, au quotidien, pour toutes les femmes et pour tous les hommes qui sont atteints de cette maladie. Voilà. Pourquoi haut de gamme ? Alors, haut de gamme, parce qu'en fait, on a fait le choix de nous poser dans la presse. En général, il y a la presse, comment dire, j'ai pas envie de dire bas de gamme, parce que c'est pas une question de contenu, c'est une question de forme. Il y a une qualité papier, on produit beaucoup de photos nous-mêmes, qu'on finance, etc. On veut des belles... une belle mise en page, une belle maquette, pour deux raisons. Première raison, qui est la première raison, mais vraiment prioritaire, c'est qu'on veut donner une image valorisante aux femmes qui vont nous lire. Qu'elles aient le reflet de quelque chose où elles se disent « Ah, c'est beau, j'ai le droit, je le mérite, oui, parce que vous y avez le droit aussi. » La beauté, c'est pour tout le monde aussi. Deuxième chose, on est un magazine indépendant qui sommes financés que par de la publicité. On a besoin des annonceurs pour sortir chaque numéro qui coûte très cher à faire, d'autant plus avec l'augmentation du papier récemment. Et donc du coup, pour les annonceurs, même si pour eux, il y a une histoire d'image, de pouvoir donner de l'argent à un magazine comme le nôtre, parce que c'est bien moralement de pouvoir aider la cancérologie et les patientes en cancérologie, quand même, ils sont plus enclins à donner de l'argent, c'est triste à dire, mais c'est une vérité, à un magazine qui voilà, donne quelque chose aussi de valorisant pour eux. Donc on est sur cette ligne de crête où à la fois notre priorité, c'est quand même la formation des femmes, et en même temps, on a besoin de nos financeurs, on a besoin qu'ils soient là. C'est pour ça qu'on a aussi des financeurs très haut de gamme, qui sont très connus dans les magazines féminins comme Figaro Madame ou Le Elle, et qui viennent aussi chez nous parce qu'on a cette jolie image. Voilà. Pierre ? J'avais une question. Du coup, c'était savoir comment vous étiez financé, parce que vous dites que vous êtes gratuit. Bon, vous êtes financé par la pub, du coup, vous n'êtes pas indépendant. Et, alors, du coup, je termine juste. Parce que dans le domaine de la santé, la question des liens d'intérêt, notamment sur l'information aux patients, elle est extrêmement importante. Par exemple, nous, médecins, on doit présenter au minimum nos liens d'intérêt avant de prononcer un message de santé. Je sais, les labos pharmaceutiques ont bien compris que les associations de malades étaient un bon relais pour faire passer leurs intérêts quand la Haute Autorité de Santé juge que les médicaments qu'ils ont proposés n'étaient pas au niveau pour obtenir un remboursement. Et donc, comment vous faites pour gérer ce risque d'être un agent du lobbying des industries pharmaceutiques? Comment vous contrôlez ces trucs-là? Est-ce qu'il y a des annonceurs que vous refusez, par exemple, les labos pharmaceutiques ou les cosmétiques qui font des offres pour les femmes atteintes de cancer? Est-ce que vous avez une stratégie comme ça, éthique et déontologique, par rapport à ce risque d'influence, d'intérêt qui ne concerne pas directement la santé des femmes?
Déjà, la première chose, c'est que pour rester un magazine d'information, on n'a pas le droit de dépasser un certain nombre de pages de publicité à l'intérieur du magazine par rapport au nombre de pages qu'on publie. Donc on est en dessous des 30%, qui est un peu le seuil à ne pas dépasser. C'est ça qui fait qu'on est considéré comme étant un vrai magazine d'information indépendante. Donc on respecte ce seuil. Deuxièmement, effectivement, les labos n'ont pas le droit, ça c'est la loi, de faire de la publicité pour leurs médicaments. En revanche, ils peuvent communiquer sur des actions ou des initiatives qu'ils prennent. Donc ça, ça peut faire l'objet, et c'est le cas dans le magazine, de publics communiqués, qui sont maquettés différemment par rapport à un article. C'est-à-dire que le lecteur doit pouvoir faire la différence entre qu'est-ce que c'est qu'un papier de journaliste et qu'est-ce que c'est qu'un communiqué d'une entreprise de presse. Donc nous, c'est bien indiqué. La maquette est différente et en plus c'est bien indiqué, c'est un public communiqué de telle entreprise de santé. Et moi j'ai réduit, je tiens à ce que ces publics communiqués ne dépassent pas, c'est pareil, un certain nombre de pages à l'intérieur du magazine. Voilà. Donc ils ne publient pas sur leur traitement, ils publient sur des initiatives. Et c'est souvent d'ailleurs des initiatives qui viennent en soutien d'associations, par exemple. Je prends par exemple Pfizer, qui soutient différentes initiatives menées par des associations comme Cancer at Work a développé une application sur travail et cancer, une autre association qui a développé, on parlait de l'accès des minorités ou des étrangers aux soins, il y a une association qui a développé un imagier pour pouvoir expliquer en dessin aux personnes qui maîtrisent mal le français qu'est-ce qui va arriver au cours des traitements et pourquoi on leur propose ça. Tout en images, comme ça, ça permet en fait de mieux comprendre visuellement déjà les choses. Donc ils ne peuvent communiquer que sur des initiatives de ce genre qu'ils prennent, mais pas sur leur traitement. Ça, c'est la loi française. Voilà. Et vous êtes à l'aise avec ça ? Pardon ? Vous êtes à l'aise avec ça ? On est bien obligé aussi de faire avec ça. Par contre, il est hors de question qu'il y a un labo qui nous... On est tous les jours sollicité pour dire pourquoi vous ne faites pas un papier là-dessus. D'abord, on choisit nos sujets, première chose. Deuxième chose, on choisit l'opportunité de les traiter quand on juge que c'est nécessaire de traiter tel ou tel sujet. Troisième chose, personne ne nous dicte qui va parler dans notre sujet. C'est nous qui choisissons les personnes qui sont susceptibles d'intervenir dans nos papiers, en fait. Voilà. Donc, notre ligne éditoriale, l'opportunité de traiter de tel ou tel sujet et le choix des intervenants, c'est nous qui les prenons en dehors de toute autre institution ou labo ou je ne sais pas quoi. Voilà. On fonctionne comme un vrai magazine. C'est-à-dire, on a une conférence de rédaction. Moi, je travaille avec des journalistes pigistes. Je suis la seule... salarié de ma rédaction pour le print, j'ai aussi une rédactrice en chef pour le web, mais voilà, on est d'abord et avant tout une entreprise de presse avec des journalistes, cartes de presse, voilà. Oui, merci. J'ai une question un peu naïve. Je suis très admirative de ce que vous avez réussi à obtenir à la fois pour l'emprunt ou l'accès à ce médicament, je ne sais plus non, pour les cancers plutôt négatifs. Mais je voulais savoir comment vous avez fait, comment ça se passe en pratique pour obtenir ça. Alors, ça aurait plutôt été notre directrice générale, parce que c'est elle la spécialiste du plaidoyer. Elle est ancienne attachée parlementaire, donc elle connaît très bien les arcanes du monde politique et gouvernemental. En fait, nous déjà, il faut qu'on s'empare d'un sujet. C'est-à-dire que, par exemple, le droit à l'oubli, ça a été d'emblée, dès la création du magazine, parce que, en fait, ce droit à l'oubli, il y a 5 ans, il a été obtenu en février, mais ça fait depuis 2011 et depuis la création du magazine que ces ministres, notamment, mais aussi toutes celles qui m'ont précédé, militent pour la réduction de ce droit à l'oubli, qui au départ n'avait pas d'arrêt, c'est-à-dire à partir du moment où on avait eu un cancer, on ne pouvait plus jamais emprunter pour acheter une maison après. Ce droit à l'oubli a été obtenu sur 10 ans dans un premier temps, ça devait être en 2013, autour de cette date-là.
Et l'idée, c'était de l'abaisser encore, parce que 10 ans, c'est énorme, en fait. Donc voilà, là, finalement, elles ont finalement obtenu à 5 ans. Mais ça, c'est du lobbying, en fait. C'est-à-dire que les associations, elles font aussi du lobbying. Il n'y a pas que des... Enfin, le lobbying, c'est tout le monde peut en faire, les associations aussi, donc on en fait. Voilà. Moi, j'avais une question sur votre lectorat. Est-ce que vous avez des données qui vous permettent de savoir, en fait, qui vous lit ? C'est la grande difficulté. Parce que comme on est un gratuit, on n'est pas diffusé en kiosque, on n'a pas d'abonnement. Voilà. Les seules personnes qui nous reçoivent à domicile, c'est les adhérents de l'association. Donc, à la limite, sur les adhérents de l'association, on pourrait faire effectivement une étude. Mais à 180 000 exemplaires, on a 2500 adhérents, ça nous donnerait une trop petite marge, en fait, pour vraiment connaître. Donc, c'est très compliqué, en fait, de faire un recensement. Tout ce qu'on sait, c'est que, comme on est déjà diffusé dans les services écologie, qui nous demandent, hein, c'est-à-dire que, en fait, c'est à la demande des personnels dans ces services-là, et ce sont souvent les infirmières qui nous connaissent, qui nous demandent, etc., soit parce qu'elles nous connaissent, elles nous ont vus, dans d'autres services que le leur, soit parce que ce sont les patients elles-mêmes qui sont venus un jour avec le magazine et qui ont dit « ça serait bien qu'on puisse l'avoir ». Voilà. Tout ce qu'on sait, c'est que donc, effectivement, on touche quand même beaucoup de patientes. On touche aussi des hommes aujourd'hui parce qu'ils nous font des retours. On touche aussi les soignants parce qu'on a aussi des retours de médecins, d'infirmiers, de psys. Parfois d'assistantes sociales aussi qui nous contactent pour nous dire voilà, est-ce que vous avez traité de tel ou tel sujet, qu'est-ce qui a été dit, j'attire votre attention sur. Voilà, donc on sait qu'on est aussi lu par le monde soignant en général, et puis on sait qu'on est aussi lu par les aidants parce qu'eux aussi se manifestent en nous envoyant. On a une boîte contact hein, sur laquelle on est régulièrement sollicité. Dans quelle proportion ça, on n'en a aucune idée. Ouais. Ouais. Sachant que voilà, comme c'est un média enfin, écrit ou web, il y a aussi inévitablement une sélection, on va dire, qui s'opère naturellement. Bah, déjà, il faut nous trouver. En fait, la grande difficulté qu'on a aujourd'hui, on est très bien diffusé dans les CLC, dans les centres de lutte anti-cancer. On est beaucoup moins bien diffusé aujourd'hui. En tous les cas, on a plus de difficultés dans les hôpitaux publics, pour toutes les raisons que vous avez peut-être évoquées hier, éventuellement. C'est qu'aujourd'hui, il y a au niveau de l'organisation, comme le disait une infirmière récemment, d'un grand hôpital public parisien, c'est le bordel. Voilà. Donc, comme on est... Nous, on amène le magazine à l'entrée de l'hôpital. Ensuite, comment il est diffusé, à quelle fréquence, est-ce que tout est mis en place, est-ce qu'ils en gardent et qu'ils en mettent en place au fur et à mesure? Est-ce qu'ils en ont mis en place, qu'ils ont complètement oublié qu'ils avaient des magazines en stock au sous-sol, et puis qu'ils oublient de continuer à le dispatcher? Ça, on n'a pas trop la main là-dessus. Et on a juste les retours des patients qui nous disent « mais je ne comprends pas, je ne l'ai pas trouvé, etc. » Donc la seule chose qu'on peut faire, c'est de quand on a ce genre de message, c'est de retourner vers les services en disant « voilà, on a eu tel message, apparemment, on ne trouve plus, alors qu'on vous a livré tant d'exemplaires. » Donc c'est une difficulté aussi. Et c'est vrai que le Covid, là, ça a vraiment désorganisé vachement les services, et notamment les services logistiques, parce que c'est eux qui nous récupèrent, et c'est à partir d'eux qu'en fait on est distribué. Et c'est compliqué. Ouais, c'est hyper compliqué. Donc, voilà. Merci beaucoup. T'as d'autres questions ou commentaires? Non? Eh bien, un grand merci aux intervenants de cette session de l'après-midi. Je crois que c'est l'heure de la pause. Non, je me rappelle plus. Il n'y a pas de pause. Il n'y a pas de pause. Alors on enchaîne. C'est Johan, c'est ça? Ah, pardon, je suis une question. Merci.
publique.